Inna alhamdulillah. Certainement tout éloge pour Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Nous faisons éloge, nous cherchons aide avec lui et nous demandons pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Nous cherchons protection avec Allah contre le mal qui nous fait faire et contre nos mauvaises pratiques. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah. C'est lui qui Allah Ta'ala fin guide n'a peine à personne qui peut capable égaler. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. C'est lui qui Allah Ta'ala fin laisse égaré peine à personne qui peut capable guide. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Mo témoigner qui peine à aucun vrai bon Dieu excepté Allah, l'unique, peine à aucun associé avec lui. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et mo témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni Allah Ta'ala son serviteur et lui son messager. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala envoie bénédiction l'eau lit, l'eau sa famille et l'eau sa bonne compagnon. أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه النسائي وغيره إن أصدق الحديث كتاب الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حديث أوتنتيك لجيا certainement parole qui plus vrai c'est les livres d'Allah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Puis jolie façon de vivre, c'est vivre de façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin vive. Wa sharral umuri muhdathatuha. Pratique qui pas bon, c'est l'innovation. Wa kulla muhdathatin bid'a. L'innovation, c'est bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Bid'a, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. L'égarement, li amène vers du fait l'enfer. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Chers frères et sœurs, peut-être quand c'était les temps qui nous font vivre au salatier là, qu'il y soit petit, qu'il y soit grand, qu'il y soit vieux, qu'il y soit jeune, nous pourrions manquer un bon moment quand nous la vie liguée, nous contents, nous avons une jolie la vie nous peut vivre, nous bien entre nos familles, nous sortir, nous faire ban sortir, nous voyager dans l'autre pays, nous venir, nous contents, nous avons une fête dans nous la vie. Mais aussi un bon moment quand nous trouvons nous dans pince. Nous Dieu nous trouvons nous dans pince. Qui fait? Parce qu'il y a une petite difficulté qui peut passer l'eau nous. Il y a un petit problème qui peut passer l'eau nous. Nous trouvons nous dans pince. Mais en vérité, nous pas dans pince. Comment nous vous trouvons après, comment vous continuez à expliquer. Tout ça, cette difficulté là, tout ça, cette problème là, c'est qui nous a connu avant les sorties en seule place. Pas une personne qui vous dit, moi qui ne donne toi cette difficulté là, non. Une seule place sa difficulté là li sorti saisis côte Allah subhanahu wa ta'ala comme lui même li fait connaître ma asaba min musibatin illa bi idhnillah pena aucun musibat pena aucun difficulté pena aucun problème qui tous indimoun excepté par la permission d'Allah c'est-à-dire faudé Allah fin permettre sa difficulté là. Tout ça dit mouna, l'éla sa difficulté là, tout ça dit mouna. Et pareil, quand difficulté là, fin ena pour venir, pena personne qui peut capable empêcher.
Même qui qualité bouncer ou al rodé, qui qualité ministre sougeté pour faire en paix sa difficulté là, n'a pas pour capable. Wa idha arad Allahu bi qawmin su'an fala marad la. Quand Allah Ta'ala oulé en le mal pour un kiken, pour un peuple, n'a pas une personne qui pour capable repousse sa mal. Pas une personne qui pour capable repousse sa problème là. Mais seulement qu'il y soit un problème, qu'il y soit nous avons une bonne chose, un bon musulman, un moumine, il faut accepter tout. Il faut accepter tout. Alhamdulillahi ala kulli hal. Il remercie Allah le n'importe qui condition y était. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, si vraiment un moumine, il t'y connaît, qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour lui, plan pour lui, derrière rideau, comme on dit, behind the screen, sur lesquels tu peux faire. Sa moumina, sur lesquels tu peux faire. Même lui peut gagner sa difficulté là, et un plan qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour sa djiboun là. Si sa moumina, tu récites, trouve sa plan là, sur lesquels qui y en a de sur l'estomac là, ça tu peux faire. Et tu peux faire avec contentement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de hadith, il fait nous connaître, il dit Ajabal li amri al mu'min. Étrange. Il est bien étrange pour tout qui sauve un mu'min. Inna amrahu kullahu khayr. Certainement, tout qui sauve qui arrive, lui, qu'il y soit bon, qu'il y soit lilipet ou pas bon, mais tout bon pour lui. Kullahu khayr, tout bon pour lui. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Et ça pas applique aux personnes excepté un mu'min, excepté un celui qui fin amen iman. In asabathu sarra'u, si un du bien tous li, c'est-à-dire l'in content, shakara, li remercie Allah subhanahu wa ta'ala wa kana khayran lahu. Ça du bien là, ça bon qu'in tous li là, ça vient un plus meilleur qui soit pour ça du monde. Et au contraire, wa in asabathu darra'u, si elle le mal fin tout sa djimoun là, sabara, li prend patience et accepte ce qui fin tout cela, fa kana khayra lahu. Ça le mal qui fin tout cela, ça aussi vient dit bien pour sa djimoun. Nous regrettons parmi les raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala li met ban djimoun dans problème. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala avoir des difficultés le bandi moun, il y a plusieurs bonnes raisons. On fait une résumé en 5 catégories. Première raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala avoir des difficultés, c'est quand un djimoun li ena beaucoup péché. Tout ça c'est le seul avantage. Quand un djimoun li fin fait errer beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un problème loli, une difficulté loli, afin qu'il soit capable de purifier sa djimouna. Afin qu'il soit capable de purifier sa djimouna. Nous connaissons l'eau. L'eau est un bijou extra-bréché, un rose extra-bréché ça. Mais c'est avant qu'il vienne s'apprécher là, vous connaissez comment il était? Qui a été malang, qui a malang ça l'eau là? Qui a été impureté et là-dedans? Mais qui fin faire? Fin sauf ça l'eau là. Fin souffle, fin bouille, fin fait lui propre. Donc, elle a une difficulté. Nous, quand elle passe l'eau là, pour lui gagner sa valeur là. Pareil, pour refasse péché sa bandimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie une difficulté. Sa difficulté là, lui purifier sa dimoun là. Abu Huraira radiallahu ta'ala an rapporté, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas aucune fatigue. N'a pas aucune fatigue, n'a pas aucune maladie, ni aucun mal détournement dans nous, ni aucun mal à l'aise, ni aucun du tout, ni aucun stress qui tous un musulman, même si un piquant fin piquli. Mais moi, c'est l'aussi, mais la fleur rose, joli, joli fleur, c'est l'hôpital qui joli, c'est ma, c'est ma, qui sort en l'île, il n'est pas joli. On passe l'impicou. Même ça t'y piqué au fin gagné là, Allah subhanahu wa ta'ala a servi sa moyen là pour efface ou ban péché.
Get Allah subhanahu wa ta'ala comment il content du monde. Un petit piqué au fin gagné ou fin gagné du mal, mais en retour, Allah subhanahu wa ta'ala lui refasse au ban péché pour sa piqué ou fin gagné. Ça, c'est une raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie ban difficulté. Deuxième raison, c'est pour nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous garder l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons des problèmes, nous avons des personnes, mais nous disons, quand nous avons des problèmes, les là parfois tous les autres costaient, faire un mal, pour assister après un mal, ou gagner le temps, dimanche et pédois. Sinon, la plupart du fois, quand il finit, il sortit. Mais ce problème-là qui finit faire, costait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sa difficulté-là, il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire fait droit, faire une confiance en Allah ta'ala, il y a une hope comme un gel en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il peut tirer sa difficulté-là, sa jimouna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « In takounu ta'lamouna fa innahum ya'lamouna kama ta'lamoun » Une comparaison qu'il lui donnait entre celui qui peine iman avec celui qui est iman. Il dit si les autres peuvent souffrir, les nazis peuvent souffrir. C'est-à-dire si nous, comme musulmans, nous pouvons souffrir, les kafirs aussi peuvent souffrir. C'est ma qui différence qui est là. « Wa tarjouna min Allahi ma la yarjoun » Les autres ont une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les autres n'ont pas confiance en Allah ta'ala. Les autres ont attendu que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa difficulté là, les autres. Mais ça va être un café là, je peux pas sa confiance là, je ne peux pas bien attendre ça. C'est moi, tous les deux peuvent souffrir pareil. C'est ça la différence qui est entre un mu'min et un celui qui n'a pas d'iman. Troisième raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala et envoie une difficulté, c'est pour corriger nos latitudes. Pour corriger nos façons d'agir. Peut-être nous faire business, nous faire un profit. Vous connaissez quand il fait profit, quand il casse beaucoup, ça l'arrogance, ça, il commence à rentrer dans son équerre. Il commence à dire, « Guette-moi la main qui m'a fait faire, guette-moi fait travail. » Mais non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait donner ça. Mais s'il commence à faire sa façon d'agir là, là Allah subhanahu wa ta'ala, pour corriger son attitude, pour corriger son manière, il y a une bonne difficulté, qu'il soit sa profit qu'il fait là, il retire, soit dans l'autre façon, mais une difficulté vient pour faire corriger son manière. Quatrième raison qui fait nous gagner une difficulté, c'est simplement un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simplement un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour tester nos patience. Comme on fait nous connaître dans la sourate Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Est-ce que les gens croient qu'ils nous voulaient les autres comme ça même, quand ils ont fait Dieu, ils ont fait amen iman, et nous n'avons pas pour tester les autres? Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un test avec les gens. Comme on fait nous connaître encore dans la sourate Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Nous pouvons tester les autres pour ban qui sauve de la paix et aussi de la famine. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ Et nous pouvons diminuer des autres richesses. وَالْأَنْفُسِ Et de ban membres des autres de la famille. وَالثَّمَرَاتِ Des autres risques. Après qu'il dit, فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Donne la bonne nouvelle à ben celui qui n'a la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un test avec Jimoun pour Jimoun lui gagne la patience. Ensuite, il y a un bel cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala lui réservé pour sa bande qui fin amène la fin gagne la patience là. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ça va dire que les gens qui ont pas chance dans sa difficulté, qui ont pas ce lit-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous donne-lui sans récompense, sans faire aucun compte. Bi-ghayri hisab, sans faire aucun compte, ça veut dire full, nous donne-lui sans récompense, qui fait simple raison, les gens gagnent la patience. Cinquième raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala dit, on voit une difficulté, c'est pour renforcer un mu'min. Pour faire un mu'min vin plus fort. Moi, nous connaissons des gens qui ont fait le gym ici, je connais. Il y a un mot qui dit, no pain, no gain. Si peine a douleur,
pénanoyen pour gagner. Adjé si nous allons dire, mon père Saint Paul, sur sofa, pour vous sortir après un temps, j'ai mon aldi, mon gaspillage. Si vous pas fin guerre douleur, à gaspillage, vous allez. No pain, no gain. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala y envoie ban difficulté le ban mu'min pour faire sa mu'minna vin plus fort. Ou un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Al mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al mu'min al darif. Un mu'min qui faut li meilleur et Allah subhanahu wa ta'ala li plus content li qui un mu'min qui faible. Oh yo, mais ma mon vie Allah, t'as pas content moi? Non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam termine la même. Il continue, il dit wa fi kullin khayr. Dans tous les dés, il a dit bien. Qu'il y soit il faut, qu'il y soit il fait, bien a dit bien. C'est qu'une de sa façon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il content ban musulman, ban mu'min qui faut en physique. Ihris ala ma yanfa'uk. Alors fais ban qui chose qui pour profite toi. Wasta'in billah, cherche protection avec Allah, cherche aide avec Allah. Wala ta'jiz, n'a pas vin paresse. C'est un lot que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut donner. N'a pas vin paresse. Wala ta'jiz, wa in asabaka shay'un fala taqul. Si un qui chose fin tous toi, un problème fin tous toi, une difficulté fin tous toi, n'a pas dit لو اني فعلت كان كذا وكذا. Si seulement moi tu fais comme ça, n'a pas tu pour arriver comme ça. N'a pas dire ça causer. N'a pas dire si moi tu fais telles affaires aujourd'hui, moi pas tu pour là-dedans. Mais dire قدر الله وما شاء فعل. Ça c'est qui Allah Ta'ala fin décrété, c'est qu'il y a envie l'y faire. فإن لو تفتح عمل الشيطان certainement ça aussi. Si mon père fait telles affaires là, il commence action de shaitan. Il commence ban mauvais pensées qui viennent dans la tête ban dimoun. En quoi une raison qui nous capable prend maintenant le temps, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala li content en dimoun, là li envoie ban difficulté loli. Nous pour tout li drôle, mais li pas drôle. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ghadam al-jaza'u ma'a ghadam al-bala. C'est tellement plus grand récompense qui peut gagner. Livine après plus grand problème qui te fait gagner. Plus grand difficulté qui te fait gagner. Connais qu'après ça, plus grand récompense peut venir pour toi. Wa inna Allah azza wa jal idha ahabba qawman ibtalahum. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala li content un peuple, li content un bandimoun, li fait test avec zot. Faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakht. C'est lui qui fin récitini, c'est lui qui fin content même dans ce malheur qu'il fin gagner là, alors après ça li pour gagner son récompense. Mais c'est lui qui pas fin content. C'est lui qui finit dire une parole avancée et n'a pas une mauvaise chose qui peut attendre plus devant. L'autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Iza arad Allahu bi'abdihi al-khayr » Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui voulait du bien pour son abd, lui voulait du bien pour son serviteur, « Ajjala lahu al-uquba fi dunya » Lui fait lui gagner sur une punition l'eau dunya même. Il fait les gains sur une punition, l'eau d'un même. Comprends bien. Papa dit, fait droit, dit man punition. Non. Ça n'a pas droit. Ça donne place, nous dire ça, nous dire Allahumma atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana wa qina adabanna. Mais ça ici là, ça, Allah Ta'ala fin décide pour donner sa punition. Ce n'est pas moi qui fin demande ça. Allah Ta'ala lui donne punition, l'eau d'un qui fait parce qu'il y oulé dit bien pour sa dimoun là. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرُ Et si Allah Ta'ala oulait le mal pour sa djimouna, pour ce serviteur, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ Il tini sa finition là, pour ce péché qu'il fin faire, il n'a pas donné sa finition là, حَتَّى يُوَافِيهِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Jusqu'à qu'il donne sa finition là, le jour Qiyama. Là, il peut dire, chers frères et sœurs, là, il peut dire, nous dire si punition là la terre il tient pour gagner briller avec difé en cause il tient pour briller avec difé Allah Ta'ala pas donné sa punition là il donne là haut
Ça dit fait là ou là 70 fois plus fort que vous faites là ou la terre. Lequel ou le là ou là ou le en bas. Donc Allah Ta'ala quand il le dit bien pour Ndimoun, il donne sa punition le salaté là et s'il voulait le mal pour sa serviteur là, là il tini sa punition, il donne le jour yaumul qiyam. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه الله سبحانه وتعالى لوت بلاص دو قران لي سيت ان ايات لي فنو كوني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا نبوتولي ان بي دول. Parce que le premier khutba qui fait que passer là, nous dit que les difficultés sont côté Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième khutba, c'est-à-dire que nous peut dire toute difficulté qui touche toi, c'est ce qui t'a fait faire avec toi la main. Drôle. Pour vous dire la contradiction de des ayats là. Non, chers frères et sœurs, n'a pas une contradiction dans les ayats. N'a pas une contradiction dans les ayats du Coran. Toute difficulté qui touche un dimoun, il sorti depuis côté Allah ta'ala. Toute difficulté qui touche un dimoun par son propre la main ici, il sortit contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ma qui s'en a qui fin faire sa difficulté là, c'est où? C'est sa dimoun qui fin faire péché là, lui qui fin invite sa punition là, l'oli. À cause ça qu'il dit, c'est ce qui te fin faire avec ton propre la main. Nous dit un dimoun, il y a pour gagner cancer poumon. Il y en a pour gagner cancer poumon, il fin gagner cancer. Et pourtant, il n'est pas fumé, il n'est pas nonné. Sa difficulté là, Allah Ta'ala fin oule li. Allah Ta'ala fin donné. Mais ça même dit moun, si l'ingain sa cancer poumon là, pour 10 Benson tous les jours, que vous dites Allah Ta'ala, il nous a des difficultés pour lui. Ou bien que son propre la main, il fin brille sa poumon là. Ça que Allah Subhanahu wa Ta'ala peut dire. Je rentre l'agence l'auto, moi c'était un nouveau l'auto. Je rentre, je dis maintenant, qui était à diesel ça, l'essence ça. L'essence, hein, n'a pas mis de diesel là-dedans. C'est lié à un coup de dos. Le feeling, 500 ou plus de diesel. Fini, il roule un petit bout, poc, 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 poc. Après, on peut pousser, on peut rentrer l'agence. Qui vous dit maintenant, c'est remboursou? Qui fait? Parce qu'avec ou propre la main, il y a où l'essence ou le mettre diesel. C'est où qui fait une route sans difficulté là? C'est même que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici. Si un qui s'ose, au fin prend tout qualité, précaution qu'on est capable de prendre, même sa difficulté, problème, fin tous où Allah Ta'ala fin décide. Qaddar Allah, ma sha'a fa'ala. Mais si sa même difficulté, ou fin fait li avec ou propre la main, là où pas dit Allah Ta'ala fin décide, comme ça. Là où dit ou avec ou la main, ou fin invite sa punition là, l'eau où. Et le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala tulqu bi aydikum ila tahluka » n'a pas zed zot même, n'a pas pousse zot même vers destruction. Et c'est un lode. « Wala tulqu » quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un lode et nous pas respecter lode là, pas croire qu'il y a un fleur rose puis attendre nous. Pas croire qu'il y a un fleur rose puis attendre nous puis devant. Mais fini dire, fini faire connaître, n'a pas zed toi vers destruction, pas n'importe qui façon y était. Non, tu connais une manchon divine, manchon la drogue, mais cigarette pas de manchon, mais cigarette pas fini toi, cigarette pas baiser toi vers destruction, là si tu ne comprends pas, tu amènes le ressent, tu comprends. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui difficulté, il donne un dimoun, même ce qui lit, il finit décrété, même ce qui dimoun là, il finit rôder avec son propre lame, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. N'importe qui difficulté, il gagne, sa dimoun là, il est capable de subir libre. Parce qu'Allah Ta'ala n'a pas mis aucun fardeau dans un dimoun, excepté qu'il est capable de tenir sa fardeau là, il est capable de tenir sa problème là, il est capable de tenir sa douleur là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour nous conclure, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Quand nous donne difficulté, nous donne problème, n'a pas désespéré, chers frères et sœurs.
certainement avec difficulté, connaît et la facilité que Allah subhanahu wa ta'ala peut réserver pour nous. Envoyez bénédiction et l'appel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون